les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau aujourd'hui sur Fortnite en mode Battle Royale. Donc on va tenter à nouveau de finir, on va peut-être viser, on va commencer par viser le top 10 hein, dans la dernière vidéo. J'avais fini 26e il me semble, je me souviens plus trop. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le mode de jeu sur leur site Epic Games. Profitez-en, franchement, c'est un mode de jeu plutôt sympathique. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on joue en team, ça serait avec grand plaisir. Sur ce, je vais lancer un match tout de suite et on se retrouve en game. Ok, les amis, c'est bon. Alors, du coup, je pense que je vais changer ma technique. Et on va tout simplement se parachuter tout de suite en fait. Dès qu'on va pouvoir, je vais me lancer. Voilà. Hop, c'est parti, let's go. On va descendre en piqué. Dans les commentaires, on m'a dit que fallait que je regarde les toits de baraque. Parce que les trois quarts du temps, en fait, il y avait... Il y avait tout simplement des coffres bonus ou des trucs comme ça. Et du coup, on va voir ça aujourd'hui. Ok, il y a quelqu'un. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Ah bon, déjà. Alors ça, c'est nice. Ça tire de ouf déjà. Ça tire de ouf les amis. Je sais pas où il est. Je l'entends marcher, il doit être dans la maison. On est déjà plus que 75. Je vais pas rester éternellement. Voilà, donc là la zone. Allez, on est dedans. Donc ça c'est nice. Là pour le coup on a vraiment de chance. Peut-être prendre le pompe. Merde. Il y a un autre joueur là-bas, plus haut. Et du bouclier. Alors l'autre est mort hein, bien sûr. Sauf qu'il y a un autre mec là. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde dans la zone. Pour le moment on n'est pas en... On n'est pas en danger donc du coup on va rester. Ouais, par contre j'ai pris trop cher. Ça donne tellement peu de vie. On va en garder un en cas où. Ok, ça construit.
Viens nous chercher. Ah merde. Et voilà. Voilà. Bon, bah, 42e. Du coup, en même temps, il avait un super pompe par rapport à moi. Donc, du coup, voilà. Il a géré. Bon, il lui restait plus grand chose. Hein. J'en remettais encore un coup et c'était bon. C'est pas grave, on va retrouver une autre game, hein, on va retenter le coup. On était bien parti pourtant, on n'a pas fait de kill, on aurait pu. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Ok, les amis, c'est bon. Bon, on a peu de chance, mais bon, c'est pas grave. Allez, bim. Hop, let's go, everybody. Là, je vois une grande ville là. Plutôt se diriger par là. Alors descendre en piqué c'est bien, mais en fait c'est on descend beaucoup trop vite. C'est ça qui est con. Donc là concrètement même technique, on va essayer de se foutre sur un toit. Voilà, bah déjà on a des bandages. Oh nice. Allez où? On a la nouvelle arme du jeu également. Qui est ce petit bijou là. Qui en fait c'est une arme avec un scope. Ça tire là. Elle est assez précise, elle est pas mal, j'ai eu l'occasion de la tester. Là je pense qu'on n'a pas autant de chance. Ah bah si, on est encore dans la zone. C'est plutôt cool. Il va juste falloir faire gaffe. Parce que bon, on a que ça hein, comme arme pour le moment. On a du soin, on a du bouclier, mais... si on peut éviter de prendre les coups, ça serait pas plus mal. Ok, il y a quelqu'un là. Arme de poing, pas terrible mais bon, on fait avec de ce qu'on a. Ils ont tout raflé les Saigo. Ah oui. En fait, je rush pas assez, je me méfie trop et du coup... Vas-y, on va essayer de tracer jusque là-haut, sans se faire péter. Là-haut, là, à la cabane, en haut à droite, là. C'est vu qu'on a une lunette. Bon, je m'éloigne, je vais être limite en bord de zone, mais tant pis. Ah merde, il y a déjà quelqu'un, apparemment. Je crois qu'il y a des mines ici. Ça tombe très bien. Pourquoi je peux pas ramasser? What? C'est quoi le délire? Je peux pas les ramasser. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ce délire? Ok, il y a quelqu'un qui a construit ici. Les mines de là-bas, je peux pas les ramasser.
Voilà, elle a une lunette, hein, mais il n'y a rien d'extraordinaire à cette lunette. Malheureusement, c'est bien dommage. Là, la chute risque d'être sévère. On va éviter de s'infliger des dégâts bêtement. Voilà, qu'est-ce que je disais? On va éviter bêtement. Bah, trop tard, c'est fait. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Les bandages, tant que vous n'êtes pas en dessous de 75 PV, ils servent à rien. Je vous le dis. Au cas où vous ne le sauriez pas. Ça m'arrive de zapper, moi. Allez, rétrécissement de la zone. Ça a été fouillé. Chier. Ah ouais, ça a été même bien fouillé. Ouais. Ah putain. Ah bah, pas complètement. Ouais, ok, d'accord. Si c'est pour avoir ça, c'est pas la peine. Là, je vois que ça brille ici. Ah. Une arme de poing un peu plus intéressante. Ça intéressait pas la personne apparemment. Donc j'imagine que la personne a tout ce qu'il lui faut. Ça peut être. Ça peut être pas mal ça. Le petit pistolet mitrailleur là, ça peut être sympa. Après, je sais pourquoi l'arme de poing là, ça a pas dû intéresser la personne. Tout simplement parce que c'est pas terrible comme quand arme de poing. C'est pas terrible, mais bon bah, je croise personne, ça m'inquiète un peu. Je vois que les endroits ont été fouillés, mais c'est tout quoi. Je vois personne. En même temps, on n'est plus que 27 éparpillés sur toute la zone. Donc voilà. Je pense que ça va commencer à bien chier quand ça va commencer à bien rétrécir là, ça va être. Ça va être fort sympathique. On va se caper là. On est pas mal niveau stuff de toute manière. On a du bouclier, enfin de l'armure. On a du soin. Il a cassé sa pipe. Ah bah l'autre il s'est suicidé, d'accord. On va rester dans le secteur là, voir où va aller la tempête après. Ça a pas l'air d'avoir été fouillé là-bas. Donc on va aller jeter un oeil. Eh ouais, j'ai l'impression que personne n'est venu là. Par contre, je vais juste faire ça. Prendre cette arme là parce que. Voilà. Donc là, va falloir que je trace. On va juste fouiller le coin là, voir ce qu'il y a. Ah bah si, ça a été fouillé. Ah bah oui. Par contre, ouais, je préfère ça moi. Personne n'en a pas voulu, mais. Ouais, c'est qu'en fait le gars il a fermé les portes. Oh! La belle boulette que j'ai failli faire. Aïe! Ah non, c'est bon, pas de dégâts, cool. On va aller chercher ce que j'ai vu là-haut. Donc là, on va pas se prendre la tête concrètement. Ah bah, peut-être que si en fait. Ah putain, ça passe pas. Non, t'es pas sérieux! On va le prendre à la place de.
Hop. Vous voyez comme quoi ça vaut toujours le coup de fouiner un petit peu. Et merde! Putain, j'ai pas eu le temps de prendre mon pompe, fait chier. Ah bah là, il va être gavé le mec. J'ai du soin, j'ai l'arme avec le scope et tout. Il va se faire plaisir quoi. Bah de rien, hein. Toi plaise mec. Putain, en fait, ça se trouve, c'était un piège quoi. Il m'a attendu quoi. Parce que là, clairement, j'étais bloqué. Je pouvais rien faire. Je peux afficher la map? Non. Je peux pas. Voilà, dans 30 secondes, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ce qui se passe en fait quand on attend trop. Et la zone, la tempête approche en fait, et quand on est dedans, on prend des dégâts. Tout simplement. Ah, il l'a pas vu? Ah si. Ouais, alors par contre, apprends à viser, mec. Mais qu'est-ce qu'il il tire à côté? Il est con, quoi. Ah, je veux bien croire que je suis mauvais, mais à ce point-là, non. Non, mais il est derrière l'arbre, c'est logique. Ah, il a des grenades. Mais il met tout dans l'arbre. C'est Nawak, ce qu'il fait. C'est pas là qu'il fallait jeter tes grenades, mec. Il a tout utilisé pour rien, en fait, là. Ah, ça me ferait tellement plaisir qu'il se fasse dégommer, lui. Ah, vous voyez, sur la map, en haut, la zone commence à rétrécir. Rapidement, en plus. Hein. Et du coup, lui, il lui reste 56 secondes pour atteindre... La zone suivante quoi. Ah, j'aimerais tant qu'il se fasse péter. Oh, le gars, il a l'une des armes les plus précises du jeu. Il tire tout à côté. Ah, il y en a un qui est mort là-bas. Il y a une petite lumière bleue. Ouais, il y a un joueur dessus. Il tire tout à côté. Enfin, en même temps, il visait même pas le gars, donc il pouvait pas le toucher. Voilà, donc là, il est dans la zone. Il va commencer à prendre des dégâts. Et en plus, il a des grenades et il balance ses 3 grenades juste pour rien en fait au final, parce que pff. Moi je comprends pas les. Ah, ça va, il s'en tire bien parce que les trucs sont. Enfin bref, voilà, on va pas s'amuser à regarder les autres joueurs. Du coup, les amis, je visais le top 10. Bon, j'ai passé le top 20. J'étais 19e concrètement, mais aucun frag. Encore une fois, ça fait chier. Donc, je pense que pour la prochaine vidéo, on va tenter d'être encore plus agressif. Vraiment se larguer dès le début. On descend en piqué direct. On se pose n'importe où. On réfléchit pas trop. On ramasse tout ce qu'on peut. On pète tout ce qu'on croise. Et voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on joue ensemble. Il n'y aura aucun souci, moi ça sera avec grand plaisir. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.